Sims, saison 2 a débuté. Dix candidats ont intégré la toute nouvelle maison des secrets. Il y a 9 secrets. Les habitants ont vécu leur premier réveil dans la maison des secrets. Les premiers liens se sont créés. Que la moindre chose, je vous tiendrai au courant. Ça sera plus simple si on cherche toutes les trois. Moi, tu as tout à fait raison. Je vais me mettre à chercher aussi. Fais quoi, Frister? Tu rêves ou quoi? Non, non, je réfléchissais juste à quel candidat nominer demain. Il y a aussi des premières tensions qui se sont créées. Non, mais t'es sérieux là? Vas-y, tu m'écœures, je veux plus te voir. Et le premier buzz. Émilie, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets? J'ai déclenché l'alarme des secrets, car je pense avoir découvert le secret de Manon et Thaïs. Aujourd'hui a lieu les nominations, ainsi que de nombreuses recherches. Des réponses et bien plus, c'est dans la suite de Secret Story Sims. Saison 2. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette deuxième quotidienne de Secret Story Sims saison 2. Aujourd'hui de nouvelles tensions vont se créer, encore des recherches et vous allez savoir si Emily valide son buzz ou non. Je vous laisse regarder tout cela en images. Salut Raphaël, alors ça va? Quoi de beau? Oui ça va et ben Pourquoi tu viens me voir d'un coup? Oh ben j'essaie de connaître un peu tout le monde d'après, tout on va vivre l'aventure ensemble. Ah ok ben c'est sûr qu'il faut se connaître, mais bon de venir me voir comme celle-là. C'est assez dur, car je dois nominer deux personnes mais aussi nominer un candidat à vie, mais je sais vraiment pas qui donc j'essaie de connaître un peu tout le monde. Et Tom? Tu penses nominer qui toi là? Ah tu sais pas qui nominer? D'où ce qu'a dit Yuri sur moi hier? Ben je pense déjà nominer Yuri et puis après je sais pas. Ouais mais bon je vais pas nominer Yuri quand même. Enfin moi il m'a rien fait, et je le considère même comme un pote là. Oui t'inquiète toi tu fais ce que tu veux mais vu que tu m'as demandé qui je nomine c'est dit. Oui je comprends, j'espère quand même que ça s'arrangera entre vous deux. Mais c'est pas possible, elles sont vraiment en couple ou quoi? Elles font que s'embrasser. Oui, je crois qu'elles sont en couple aussi. Mais j'ai peur d'aller buzzer. Tu devrais buzzer, au pire tu verras là-bas. Mais je pense qu'elles sont en couple en fait. Moi je pense pas qu'elles sont en couple. Je suis sûre que c'est juste une stratégie. Ici la voix. Émilie, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets? J'ai déclenché l'alarme des secrets car je pense avoir trouvé le secret de Manon et Thaïs. Quel est-il d'après toi? Je pense qu'elles sont en couple, car elles font que s'embrasser et tout. Émilie, la voix te rappellera plus tard pour la confrontation.
quitte le confessionnal. C'est tout, pour le moment. Ici la voix. Manon. Thaïs. Rendez-vous au confessionnal. C'est tout, pour le moment. Ici la voix. Manon. Thaïs. Un candidat pense avoir trouvé votre secret. Êtes-vous prête pour vous défendre? Oui, nous sommes prêtes, la voix. Émilie, quel secret penses-tu avoir découvert? Je pense que vous êtes en couple, car vous faites que vous embrassez, et tout, et vous me l'avez dit vous-même. Manon. Thaïs. Vous avez 5 minutes pour vous défendre. C'est tout. Pour le moment. Non, mais pourquoi tu crois qu'on est en couple? On t'a jamais dit qu'on était en couple. Et puis on a le droit de tomber amoureuse, non? Oui. Arrête de me faire genre que tu as rien dit. Et puis même si tu m'aurais rien dit, je suis pas aveugle non plus. Ben oui, on sait que t'es pas aveugle. Oui. Mais après valide si tu veux. Mais tu auras un souci et nous les sous-sous. Oui. Ici la voix. Stop. Manon. Thaïs. Quittez le confessionnal. Émilie. Tu as maintenant le choix. Soit tu confirmes et tu engages 5000 siflouses de ta cagnotte personnelle, soit tu te rétractes et tu ne risques rien. Que choisis-tu? Je sais pas, j'hésite vachement là. Bon ben écoute, autant se rétracter. Sifo Amélia a raison, elle essaie de faire de la stratégie, et j'ai pas assez de preuves là. La voix, je me rétracte. Décision validée. Émilie, quitte le confessionnal. C'est tout, pour le moment. Qu'est-ce qui s'est passé avec Tom? Je te trouve super tendu avec lui. Rien, ce mec c'est juste un con. Il arrête pas de se prendre au sérieux et tout. Ah ok. En gros tu t'es clashé avec lui, c'est ça? Oui, alors que j'ai rien demandé. Juste car j'ai dit que je le trouvais distant. Oui, mais après tu vas me dire tu m'aurais dit ça, j'aurais aussi mal réagi. Je trouve que c'était vraiment tendu entre Tom et Yuri. J'ai essayé de calmer les tensions au mieux. Écoute Tom, je viens te parler du clash que t'as eu avec Yuri hier, il vient de m'en parler là. Quand il t'a dit qu'il te trouvait distant, il voulait pas être méchant envers toi. Peut-être, mais n'empêche, ça se fait pas de critiquer les gens sans les connaître. Oui, je sais, mais il voulait te connaître, mais avant d'essayer de te connaître, il t'a trouvé distant, et du coup il te l'a justement pas dit en face, il allait attendre de te connaître. Non mais Raphaël, c'est gentil, mais ça change rien. Ce mec c'est juste un faux cul, il t'a peut-être dit ça. Mais s'il voulait vraiment me connaître, il aurait pas voulu me nominer et en parler à Freester. Mais attends. Tu veux même pas essayer que ça s'arrange entre vous deux? Ben franchement, si c'est pour me prendre encore des couteaux dans le dos, je dis non. J'ai trouvé Raphaël super gentil d'essayer de nous rallier avec Yuri. Après je le comprends, il m'aime bien moi et Yuri. Mais personnellement je suis pas un faux cul, donc je vais pas faire le gentil alors que je l'aime pas. Écoutez les mecs. Si je vous ai fait venir ici, c'est car je crois qu'avec tous les indices que j'ai vu, il y a un mec qui aurait un pouvoir dans la maison. Vous aurez pas une idée? Ben franchement, moi je savais même pas qu'on pouvait avoir des pouvoirs à... Enfin après, j'ai trouvé personne de louche dans la maison. Ah ben mince. Mais pourtant je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui doit pouvoir nous voir et tout. Ouais. Si faut, tu te trompes. Enfin tout le monde a l'air normal alors. Ouais, moi je suis sûr que personne n'a des pouvoirs. Enfin regarde, Yuri l'a dit, il n'y a rien de louche autour de nous. Je suis foutu. Comment ça se fait que le mec sache que quelqu'un a un pouvoir ici? S'il sait que c'est moi, c'en est fini. En plus avec la nomination à vie. Oh my god. Ici la voix.
Christer, comme tu le sais, tu as le pouvoir de la nomination à vie. Il est l'heure de te décider. Qui nomines-tu à vie? Bon alors. Après de longues recherches, je pense nominer à vie Thaïs, pour essayer de briser le couple Manon et Thaïs. Décision validée. Thaïs est nominé à vie. C'est tout. Pour le moment. Voilà, vous avez pu le voir, hein? Les tensions ne s'arrêtent pas entre Tom et Yuri et Thaïs est nominé à vie. Quel sera l'impact que cela donnera sur les autres habitants? Avant de le savoir, découvrons un nouvel, ou plutôt des nouveaux bouleversements. Regardez. Je pense pas que tu aurais dû t'en rétracter, Emily. C'est sûr, ils ont l'air d'être en couple. Mais je sais pas. Je trouve que c'est trop tôt pour le confirmer. Et ça reste louche. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Emily. C'est un peu trop louche. Mais juste pour savoir, Ruby. Si t'es si sûr qu'elles sont en couple, pourquoi t'es pas allé buzzer? Ben si j'ai pas buzzé, c'était car l'enquête était surtout faite par Emily. Ouais, c'est ça. Fous pas de ma gueule. Tu te sers pas un peu de nous par hasard? Quoi? Non mais sérieux, t'es qui pour dire ça? J'ai rien fait moi, pourquoi tu penses ça? Ou juste comme ça. Franchement, cette meuf, je la sens pas. Depuis le départ, elle essaie de faire la gentille avec nous et tout. Alors que je suis sûr que c'est une pure stratège. Manon? Eh oh. Tu rêves ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive depuis tout à l'heure? Tu fixes Romain? Tu flashes sur lui ou quoi? Quoi? Moi avec Romain? Non non et encore non, c'est du grand n'importe quoi. Sérieux, tu me vois en couple avec lui? Oui. Ah ben alors réveille-toi. Je te jure, t'es bizarre d'un coup. J'ai pas pu l'avouer à Tata. Mais je crois que je commence à tomber amoureuse de Romain. Non non et encore non. Si ça arrive. Ah, je suis foutue. Oui. Voilà, cela va-t-il s'arranger entre Amélia et Ruby? Manon va-t-elle complètement craquer pour Romain? Et si oui, l'impact que ça aura sur leur mission? Vous verrez tout cela demain. Pour l'instant, il est l'heure des nominations mixtes. Regardez. Alors je tiens à nominer Manon, pour briser le couple Manon et Thaïs et Frister car il me paraît pas sincère. Je souhaite nominer Tom, car il est trop rancunier et Frister car il est dangereux. Je nomine Tom car je l'aime pas et Ruby car elle est bizarre. Par stratégie, je nomine Yuri et Frister car ils sont dangereux. Je nomine Tom car ça a l'air d'être un faux cul et Ruby car elle a l'air de bien cacher son jeu. Tout comme Emily, je nomine Yuri et Frister car ils sont dangereux. Je nomine Yuri car je peux plus le voir et Ruby car elle aussi ça a l'air d'être une faux cul. Alors moi je nomine Yuri car il est trop con et Frister car il est trop intelligent. Oui. Je nomine Ruby car elle est un peu trop bizarre, et Manon pour casser le couple Manon et Thaïs. Eh ben moi je nomine Frister et Yuri. Frister car il est trop stratège et Yuri car je le trouve pas du tout sincère. Lissez la voix. À tous les habitants. Vous êtes tous passés au confessionnal pour nominer deux candidats de votre choix. Les trois nominés de la semaine sont... Esther. Yuri. Et Ruby. Christer, Yuri et Ruby, vous êtes tous les trois nominés. Un de vous trois partira au deuxième prime. Ou plutôt quatre. Car dans la maison des secrets, un candidat a un mystérieux pouvoir. Celui de la nomination à vie. Thaïs, tu as nominé à vie. C'est tout. Pour le moment. What the fuck? Non mais c'est quoi ce délire? Sérieux, je suis nominée à vie? Voilà, cette deuxième quotidienne de Secret Story Sims, saison 2 est terminée, vous pouvez désormais voter. C'est le 1 pour Frister, le 2 pour Yuri, le 3 pour Ruby, ou le 4 pour Thaïs. Pour voter, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo, et vous votiez pour celui qui doit rester dans le jeu. Vous pouvez aussi voter pour les codes de popularité, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Moi je vous laisse avec ces images et je vous dis à demain pour la troisième quotidienne. Bye. Non mais t'es vraiment qu'un gros enculé. T'as osé me nominer à vie et moi qui te respectais, connard.
Allez, ne t'inquiète pas, je suis là maintenant, tout va s'arranger. Ici la voix. Ruby. La voix va te donner ta toute première mission. Ici la voix. Yuri. Pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets ?